Bonsoir, 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 mesdames et messieurs. Bonsoir, j'espère que vous me captez bien. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir mes amis, bonsoir mes amis. Bonsoir, ce soir c'est une rituelle miraculeuse. Votre humble serviteur, le frère Brizani, il a été attaqué. Je vous demande de partager la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, mes amis. Partagez la vidéo au maximum. Il y a des témoignages chocs ce soir. On va parler du miracle, miracle, le miracle, le miracle. J'ai frotté la mort. J'ai été presque mort. Partagez la vidéo, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. On va faire une chanson religieuse et puis on revient. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, partagez la vidéo. Ce soir, c'est une directe, c'est un direct de miracle. J'ai raté la mort. Je vais vous donner des témoignages précis. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Je vous demande de partager la vidéo. Le 0801 010 808. Un jeune, une solution. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, ce soir c'est un direct de témoignage choquant parce que le peuple brésilien il a frotté la mort. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé. Ce soir, on va parler des témoignages choquants. Qu'est-ce qui s'est passé réellement la nuit de hier à 21h? Vous tous, vous dormez. Vous tous, vous n'étiez pas au courant. Ce matin, vous devez vous réveiller avec une mauvaise nouvelle. La mort du père Brésienne. Alors, mesdames et messieurs, restez branchés. Je viens de sortir de l'hôpital aujourd'hui. Donc, le père va vous expliquer des choses ce soir. Mesdames et messieurs, alors, mesdames et messieurs, comme vous avez constaté ce matin, le père Brésil, il a partagé une vidéo d'une voiture accidentellement.
Ma femme, elle a dit, le père, il y a trois voitures qui te cherchent, des militaires. Va te cacher. Je me suis caché, les voitures sont passées, ils ne m'ont pas trouvé. Ça, c'est dans le rêve. Ma femme, il s'est réveillé. Il a dit, ah, le cauchemar là, c'est bizarre. Donc, hier, samedi, ma femme, c'est pour la première fois, elle a téléphoné à une dame qui prie sur les réseaux sociaux. Elle a dit, ah, madame, j'ai fait une mauvaise cauchemar pour mon chéri, le P. Est-ce qu'on peut prier pour moi? La dame là, elle a eu même comment ça s'appelle là, c'est des MPV. Elle a dit, il faut dire à ton chéri de faire attention parce qu'en ce moment, il est combattu par ces gens-là. Ma femme, il a prié. Ma femme, dans la prière, elle a dit dans sa bouche. Je élimine l'esprit de veuve. Je élimine l'esprit d'orphelin de mes enfants. Je combattis l'esprit de veuve. Je ne veux pas être veuve. Et je combattis l'esprit d'orphelin de mes enfants. Je ne veux pas un esprit de mort. Moi, je n'étais même pas au courant. Pendant ce temps, ma femme, elle priait. Moi, j'étais dans le train pour aller à Paris. Donc, j'ai parti à Paris parce que moi, j'étais sollicité par un Congolais qui fait des frettes maritimes. Il s'appelle Frankie Stone SFR. Il m'a contacté pour aller faire une publicité vers Sarcelles. Pendant ce temps, ma femme, elle priait derrière moi. Je ne vois pas ce qui se passe. Moi, quand j'ai fini ce que j'ai fait à Paris, au retour de Blois, j'ai pris mon train à Austerlitz. Et dans le train, il y avait des gens qui viennent vers moi, des aérois, en train de me menacer. Voilà, donc, ça commençait comme ça. Dans le train, il y avait des gens, des individus que je ne connais pas. Ils sont venus le père, assieds-toi. Tu as tenu des propos. Tu es parti trop loin dans tes propos, dans tes directs. Tu as insulté des chefs. Mais nous, on nous a envoyé, comme tu vas à Blois, on va descendre à Blois et on va voir ce qui va se passer à Blois. Il a dit ça dans sa bouche. Moi, tout de suite, je suis parti voir le contrôleur du train. J'ai dit aux contrôleuses, il y a des gens dans le train, ils sont montés sur moi. Moi, j'ai fait des vidéos sur les réseaux sociaux, j'insulte le gouvernement de mon pays. Mais comme le gouvernement, ils ont beaucoup d'argent, c'est sûr, ils ont payé des gens là pour me suivre. Le contrôleur, tout de suite, il a appelé la police pour le prochain garde, les Aubrais. Moi aussi, j'ai appelé mes amis à moi. J'ai appelé Go Fast. Go Fast, il a amené ses amis à la gare. Le train s'arrête à la gare. Après, Go Fast, il est venu. Ils sont où? Il a dit, ils sont là. Et le gars-là commence à dire, oh, le père, non, on t'a fait seulement peur. On rigolait avec toi. Go Fast, il a dit, il ne faut pas rigoler avec le père parce que le père, il vous a pris en sérieux. Les gens ont dit, oh, non, le père, s'il te plaît, parce qu'ils ont eu peur, parce que moi, j'ai appelé mes gens. Ils sont arrivés très vite, Go Fast avec ses photos. Maintenant, avec Maître Angelou, c'est des Aérois. Maintenant, Go Fast l'a dit, hey, le gars, celui qui touche le peuple présent, il a affaire avec moi. On rigole pas avec le peuple, il dit des choses, il est libre. Même la contrôleuse dans le train, elle a dit, et même si le monsieur il fait des vidéos sur Internet, même s'il insulte, vous aussi faites des vidéos insultées, on ne tape pas les gens, on ne graisse pas les gens. Donc, le monsieur, il a le droit d'appeler la police. Quand la police est arrivée, maintenant, Go Fast, il a dit, bon, le père, on y va seulement. Sinon, tu vas rester longtemps ici devant la police. On y va, je te donne la voiture, tu rentres à Blois. Voilà. Donc, on a quitté la gare de Zobren, ils sont partis chez mon frère Go Fast. Et il m'a prêté une voiture 206. Il a dit, je te donne cadeau, rentre à Blois. Il était 20h. Voilà, donc moi j'ai pris la voiture 206, j'ai pris l'autoroute. Alors, quand j'ai pris l'autoroute, je me suis d'abord trompé des chômeurs. Donc moi j'habite à Blois, je rentre dans l'autoroute pour aller chez moi. Allez, je me suis trompé, je partais à Montargis. Voilà, donc je partais à Montargis, donc je me suis trompé des chômeurs. Alors que Orléans et Blois, il y a 60 km, je voulais faire seulement 30 minutes. Mais le GPS me dit que t'en as pour 1h20. Donc j'ai dit, je me suis trompé. Alors j'étais parti faire demi-tour.
Je suis sorti à Pithiviers. J'ai encore pris l'autoroute pour Blois. Maintenant, revenir à Orléans, j'ai vu sur l'autoroute un gibier, Mgulushitu. Voilà, parce que la cause de l'accident du peuple Brezani, c'est un Mgulushitu qui traversait la route, un Mgulushitu. Donc, moi je roulais à 90. Heureusement, j'étais pas à 130. Donc, j'ai vu le Mgulushitu. Je voulais esquiver le Mgulushitu. Allez, tout de suite, j'ai tapé le Mgulushitu. J'ai roulé sur le Mgulushitu. La voiture, il a perdu le contrôle et j'ai tourné plusieurs fois. Et la voiture, il a tapé sur le mur. Tu vois le mur qui divise. Voilà. Pa, pa, pa. J'ai fait de.
esprit qui regarde. Parce que chez les Congolais, ou bien tout le monde dit que le jour qu'on va mourir, l'esprit quitte le corps. Et l'esprit, il regarde le corps encore. Moi, j'ai dit, oh, peut-être que je suis mort et que ça c'est l'esprit. Et mon corps, il est de la voiture. Je suis parti voir de la voiture. J'ai regardé de la voiture s'il y a mon corps dedans. Je regarde la voiture. Il n'y a pas mon corps dedans. J'ai demandé aux pompiers. Monsieur, est-ce que Monsieur Mayala, il est mort? Ou bien ça, c'est moi? Ou bien c'est l'esprit? Les pompiers ont dit, mais monsieur, quand on est mort, on ne parle plus. Quand on est mort, on ne pose plus de questions. Toi, tu es là. Il n'y a pas le corps dans la voiture. C'est pas, toi, ce n'est pas l'esprit. J'ai dit, oh. Mais quand on est mort, l'esprit sort du corps. Mais peut-être moi, c'est un esprit qui est sorti du corps. Et mon corps, allez-y voir dans la voiture s'il n'y a pas mon corps. Les pompiers sont partis regarder dans la voiture. Il n'y avait pas mon corps. Ils ont dit, mais c'est toi, tu n'es pas mort. Moi, j'ai dit, appelez ma femme, s'il vous plaît. Pour savoir que je suis vivant, appelez ma femme. Pour que je parle avec ma femme, je dois savoir. Est-ce que les pompiers ont dit, pour l'instant, on ne peut pas téléphoner. On va à l'hôpital. On va regarder, même si tu n'as pas de blessures. On va te faire des scanners pour voir dans ta tête. Peut-être quand je t'ai... Parce que quand j'ai fait le tonneau, quand j'ai roulé, ma tête il s'est cognée dans le pare-brise. Ils ont dit peut-être que tu as des sons dedans, dans le cerveau. Le cerveau, il peut avoir du son. Peut-être le son, il est partout dans ton corps. On va à l'hôpital d'abord. Après, on appelle ta femme après. Moi, j'ai dit aux pompiers, s'il vous plaît, prenez la voiture là en photo, parce qu'il faut prendre la voiture en photo, s'il vous plaît. La photo que vous avez vue, c'est les pompiers qui ont pris en photo. J'ai dit, gardez-moi la photo là, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, les pompiers m'ont amené aux urgences de Orléans, la source. Vous en comprenez? Les pompiers m'ont mené aux urgences. Arrivé aux urgences. J'ai regardé. Il y a deux couloirs. Un couloir, c'est marqué les personnes COVID-19. Il y a un couloir qui s'est marqué les personnes non COVID-19. Moi, j'ai paniqué. J'ai dit, ça se peut à l'hôpital, ils tuent les gens. Ils vont m'amener là où c'est marqué COVID-19. Je dois être vigilant. Je dois être vigilant parce que après, l'infirmière, elle est venue. Bonjour, monsieur, bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Le pompier, il a dit, on vous ramène un miraculeux. Il a fait un 3 fois, 4 fois tonneau sur l'autoroute. Sa voiture est irrécupérable, mais on l'amène ici pour être examiné. L'infirmière, elle a demandé, tu roulais à combien? Moi, j'ai dit, à 90. L'infirmière m'a dit, bon, peut-être que tu as perdu connaissance, on va te poser les questions. Moi, j'ai dit, posez-moi toutes vos questions que vous voulez. Comment il s'appelle le président de la France? Moi, j'ai dit, le président français s'appelle Macron. Ils m'ont dit, tu es né quand? J'ai donné ma date de naissance. Ils m'ont dit, tu t'appelles comment? J'ai donné mon nom et prénom. Ils ont dit, tu habites où? J'ai donné mon adresse complète. Ils m'ont demandé, nous sommes telle date aujourd'hui? J'ai dit, nous sommes un samedi 10 avril 2021. L'infirmière, il a dit, oh, mais le monsieur, tu n'as pas perdu connaissance? Tu t'es pas blessé? Tu n'as pas de mains coupées, ni pieds cassés? Mais comment ça se fait? J'ai dit, madame, moi je suis un esprit. Vous ne me connaissez pas, moi c'est le peuple brésilien. Faites-moi les analyses, s'il vous plaît, après on va voir. Le docteur, il est venu, il a commandé le scanner. Ils m'ont enlevé les habits, ils m'ont mis en culotte. Ils m'ont fait rentrer dans un scanner. Après, ils ont regardé la tête. Ils ont regardé tout le corps, tout. Il n'y a rien, mesdames et messieurs. Ils n'ont rien trouvé. Aucun son culongulant. Aucun son culongulant bloqué. Aucun AVC. Mesdames et messieurs, j'ai jamais vu incroyable, frère. Ennemi, tu as choué. Ennemi, tu as choué. Je sais qui est derrière cette attaque. Hein, le sorcier là. Hein? Vous avez voulu tuer le peuple brésilien physiquement. Vous n'avez pas eu. Vous avez voulu tuer le peuple brésilien avec des démons. Vous n'avez pas eu. Ma femme, elle est là. Tant que ma femme, si vous voulez m'abattre,
Il faut d'abord tuer ma femme. Mais madame Nangate. Donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai reçu plusieurs appels. Le grand prêtre Stan de Paris m'a téléphoné. J'ai vu les appels de Iguette Lamoussodja. J'ai vu les appels de Chimène Muntuari. J'ai vu les appels de Gladys Lagrande Weston. J'ai vu les appels de Papa Destin Monde Arabe. J'ai vu les appels de belles filles de France. Les beaux garçons de France. Les gens, ils ont pleuré. Donc, mesdames et messieurs, si j'étais mort aujourd'hui, ma photo devait se trouver sur tous vos Facebook. Tout le monde devait écrire RIP, RIP, RIP. Le peuple présent RIP, RIP. Mesdames et messieurs, il y a Guy Roger, il a pleuré quand il a eu les nouvelles. Quoi? Tu as fait un accident? Mesdames et messieurs, j'ai quitté l'hôpital ce matin à 5 heures.
Donc, mesdames et messieurs, moi je continuerai toujours à dénoncer. Je continuerai toujours à dénoncer ce qui se passe dans mon pays parce que je suis la voix de son voix. Et je sais que dans tout ce qu'on dit, on dérange et ça arrive jusqu'à dans leurs oreilles. Voilà pourquoi ils sont mal à l'aise. Ils sont mal à l'aise. Ils cherchent des gens comme ils ont des milliards. Ils cherchent des Zéroïs partout ici en France qui galèrent pour venir nous attaquer. Mais ici, nous sommes dans un pays de blancs. Même si vous allez m'abattre un jour, mais vous n'allez pas abattre toute la population. Un jour, toi aussi, tu vas mourir. Ah, madame Sassou. Sassou Nguesso, tu vas mourir. Il ne te reste même pas 10 ans de vie. Donc, vous avez fait le tout de vouloir faire quelque chose. Là, vous avez tué Parfait Kolela, le pauvre. Son corps se trouve au quai de la Râpée. Vous êtes en train de forcer. Vous êtes en train de faire le magouille pour que vous récupérez le corps. Putain! Allô? Allô? Ouais, oh non. Allô? Ouais. Allô? Ouais, Castor. Comment est Castor, Kabwe? Non, bien quoi? Ah, hein? C'est un combat bizarre. Bon, donc il y a des gens qui cherchent parce que nous avons nous avons dit que mais comme moi, tout autour de rare, hein, parce que autour de Grèce, c'est moi. Hein. Mais moi, tout mon national, oui, mon national peut-être, mais mon autour de rare, hein. Donc, je suis tout dans mon nid, je suis tout dans après, je suis tapé, après, voiture, je suis tourné 4 fois. 4 fois, après, il porte à gagner, puis nous avons 4 gouzoulou. Et même nous avons un camion, vraiment passé, même le grand prêtre de Vadou Diri, il était le pays, dans sa croix, vraiment, il n'a qu'à couper le lago. Mais le petit est béni. Donc vraiment, papa, j'ai flotté la mort. Téléphone, Badobien, t'as mis téléphone après, j'ai un kangaga, tout tachika. En plus, je suis sorti à l'hôpital seulement ce matin, hein, à 6h. Voilà. Tout à fait. Merci, papa Castor, merci beaucoup. Effectivement, il y a une semaine, ils ont voulu fabriquer, ils m'ont donné 13 000 euros. Alors qu'en France, actuellement, si on t'envoie un Western Union, si on t'envoie même 300 euros, ils te posent beaucoup de questions. Tu as eu l'argent où? Toi, avec la personne, peut-être comment, lien de famille. Mais ils m'ont fabriqué une histoire de 13 000 euros, j'ai reçu en 2 fois. Donc 13 000 euros en 2 fois, égale à 6 500 euros. Mais tu ne peux pas faire rien. Donc, ouais, papa. Je voulais te dire, mais bon, pour ma téléphone.
la diaspora. Donc, même vous avez dit, bah, c'est n'importe quoi. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont fait sur le parfait pour là? Tout à fait. On a encore les vidéos, on a encore toutes les images, tout ce qu'ils ont publié. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que si moi, j'étais le fils de Kolela, de Paris, si j'étais vraiment le fils de logique de parfait pour là, tout ce qu'ils ont fait sur la place de Paris, on n'a même pas refusé. Tout à fait. Ce sont les hypocrites. Ah bah oui, mais aujourd'hui, quand on va leur dire la vérité, ça va donner à la matière. Ce sont les hypocrites. Les mêmes personnes qui ont traité par ce collègue-là, d'infiltrer, le fils est adoptif de Sassou, aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui disent que non, c'est un grand homme. Mais parce que. Parce qu'ils avaient été affectés par la façon dont il a été tué.
Igo Kemba, un tinter à Gaillard, la famille Amayeza. Vous avez mis le Congo par terre. Voilà pourquoi il y a le peuple brésilien qui parle, qui vous dérange. Vous voulez me tuer? Vous voulez me tuer? Vous voulez ma tête? Putain! 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 Moi, je suis fier de moi. Je mange à travers ma sueur. Je me relève tout le matin. Je mets le yaourt au frigo. Mais Sassou Nguesso, dans ta vie, tu mets le yaourt au frigo avec ton argent. Putain! 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 Oh, Aristide, mon bébé ici! Le peuple brésilien, il me pompe des guérisons et puis. Je t'ai appelé dans la journée pour avoir des nouvelles. Ça va faire très mal ton accident. Bon, écoute-moi, ben, tu sais, je te souhaite une bonne guérison. Et puis, ton combat, il est noble. Moi, je suis l'un des rares personnes qui te soutient. Voilà. Tu es quelqu'un d'honnête. Même quand tu inventes des histoires, moi, je te dis que c'est faux. Tu rigoles. Tu rigoles. Ce qui t'est arrivé là, l'histoire de l'accident. Moi j'étais avec Godefroy Taranda, pareil, on venait de Lyon. Nous aussi, il y a un coéquipier qui est sorti sur l'autoroute, un cerf. Oh! D'accord? Demande à Taranda, tu peux appeler Taranda, Godefroy Taranda, tu l'appelles. Pareil. Mais non, mais moi j'avais esquivé. Moi quand j'ai vu le truc au milieu, j'ai vu l'animal au milieu de la route, j'ai mis le feu de route. Mesdames et messieurs, écoutez le témoignage. Je suis en ligne avec le grand prêtre Aristide Mobebe ici. Lui aussi, il a vu le gibet aujourd'hui. Pareil. Pareil. Ce qui t'est arrivé, donc, moi, j'ai mis le gibet au milieu, j'ai mis le feu de route. Moi, j'ai mis le feu de route sur le gibet. Je suis allé vers la droite, le gibet est à la droite, et moi, je suis à la gauche, et dévié. Voilà. Et devant encore, on fait quelques kilomètres, on trouve un cadavre sur l'autoroute. On trouve un cadavre sur l'autoroute, on esquive le cadavre. On fait encore des kilomètres. Il y a deux oiseaux noirs qui viennent tomber sur le pare-brise. Waouh. Donc, en fait, ce mois de mars, entre mars et avril, ces gens-là, ils viennent nous attaquer spécialement. On attaque des gens. Quand tu attaques physiquement, tu envoies des gens. Venez, moi, tu sais, on est venu chez moi casser mes voitures, casser ma porte. Oui, oui, oui. Mystiquement aussi, on t'attaque. Voilà. Donc, comme tu es un miraculeux, bravo à toi, mon frère. Nous, on a encore besoin de toi. Tu es quelqu'un de vrai et de juste, malgré que tes parents, à toi, Larry, à chaque fois que tu as inventé des histoires. Vraiment, vraiment. À dormir debout. Moi, je sais que toi, tu es quelqu'un qui est dans le vrai. Voilà. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Vu que tu es encore là parmi nous, merci. Continue à faire ce que tu sais faire. Et puis, fais des gros bisous à ta famille et puis à tout le monde. Que Dieu merci. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord, mon frère. Je te laisse quand je te merci, dis. Ouais. Ciao. Alors, mesdames et messieurs, quand je disais, regardez-moi Kiki Sassou, un monsieur qui n'a jamais travaillé dans sa vie, aujourd'hui, propriétaire de plusieurs immeubles dans les pays occidentaux, propriétaire, il avait dragué une fille, une zéroise, il avait acheté une boutique sur la Champs-Élysées, la valeur de la boutique, plus de 600 000 euros, Kiki Sassou, où tu avais trouvé l'argent, là où tu avais acheter la boutique de Tanama Kangou. Mais je suis vraiment estomaqué. Pourquoi vous n'avez pas un esprit humanisme, bon moto, bon tiwapi, bon moto. Dans votre tête, dans votre cœur, il n'y a que la grosse voleuse de cacher des milliards. Regardez le petit là, le jeune petit, Ambendengesso, mesdames et messieurs. Il est en train de piller l'argent de la CNPC. Regardez au Congo un Tintin Ambendengesso, la famille de Sassou. Regardez la transmission du vol du père aux enfants, des enfants aux neveux, des neveux aux petits-enfants. Ce sont tous des milliardaires, des voleuses. Comment ça se fait? Tu peux aller à la CNPC voler de grosses liasses, des millions. Pendant ce temps, les étudiants, ils en ont besoin. Pendant ce temps, les routes, ils sont dégueulasses. Pendant ce temps, il n'y a pas des hôpitaux. Pendant ce temps, les retraités ne sont pas payés. C'est ça que vous voulez me tuer. Vous voulez me tuer parce que je dis la vérité.
Moi, je parle pas pour que vous me donniez de l'argent. Je veux pas de votre argent. Vous comprenez? Moi, je travaille, je mets mon yaourt au frigo à travers mon sueur. Aujourd'hui, vous avez essayé de m'attaquer spirituellement. Vous avez vu la force physique, la force de nos ancêtres. Bankaka batela mané. Bankaka batela mané bankaka. Vindre bankaka. Bankaka gaban jambulako. Ma femme, vous avez tué le père de ma femme. Sassou Nguesso, ta ministre, il avait tué le papa de ma femme, monsieur Mayela Yacinthe, à Sangolo, en 98. Une balle de la tête. Ma femme, Denisa, elle avait.